Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle et la première de cette année consacrée au Miss France 2019. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux questions de culture générale soumises aux candidates cette année. Cette année, c'est Miss Centre Val-de-Loire qui décroche la meilleure note parmi les 30 candidates, avec une moyenne de 18,35 sur 20. Un test rédigé par la directrice générale de la société Miss France, Sylvie Tellier, en personne. Sur le podium figurent également Aude Destour, Miss Limousin et Axel Breil, Midi-Pyrénées. Les notes obtenues seront parmi des critères qui permettront de sélectionner les 12 finalistes avant même le soir de l'élection. Élément rassurant, toutes les Miss France ont obtenu la moyenne. Voici donc les questions qui ont été posées aux Miss France cette année. Première question, qu'a-t-on célébré en France le 11 novembre dernier? Question 2, quel pays a décidé par référendum de quitter l'Union européenne en 2016? Question 3, qui est le premier ministre français à la date du 17 novembre 2018? Question 4, quel État américain est actuellement ravagé par les flammes avec plus de 55 000 hectares brûlés? Question 5. Quel pays l'équipe de France de football a-t-elle affronté lors de la finale de la Coupe du Monde le 15 juillet 2018 en Russie? Question 6. Quel célèbre écrivain débute son plaidoyer en faveur du capitaine Dreyfus par J'accuse? Marcel Proust, Émile Zola, Victor Hugo ou Alphonse de Lamartine. Question 7. On écrit des choux-fleurs C-H-O-U-X-F-L-E-U-R, choux-fleurs C-H-O-U-X-F-L-E-U-R-S, choufleur C-H-O-U-F-L-E-U-R ou choufleur C-H-O-U-F-L-E-U-R-S. Question 8. Quel est l'accent du deuxième E sur le mot fenêtre? Accent grave, accent aigu, accent circonflexe ou aucun accent? Question 9. À quel animal l'adjectif hippique se rapporte-t-il? Au chien, au canard, au cheval, au hibou. Question 10. Quelle est la bonne orthographe? Méditerranée. M-E-D-I-T-E-R-R-A-N-E-E. Méditerranée. M-E-D-I-T-T-E-R-A-N-E-E. Méditerranée. M-E-D-I-T-E-R-A-N-N-E-E. Méditerranée, M-E-D-I-T-T-E-R-R-A-N-N-E-E. Question 11, complétez la liste. Athos, Porthos et Lagardère, Aramis, Bayard, Tartagan. Question 12, que signifie narquois? Triste et silencieux, coloré et vivant, boisé et ancien, malicieux et moqueur. Question 13. Parmi les termes suivants, lequel n'est pas un synonyme de fringale? Appétit, faim, crédulité, avidité. Question 14. Que signifie prosélytisme? Fait pour un homme de pouvoir se marier avec plusieurs femmes, zèle ardent pour recruter des adeptes pour tenter d'imposer ses idées, don de voyance, haine féroce pour toutes les innovations. Question 15. Quelle est la première personne du singulier du verbe appelé au présent de l'indicatif? J'appelle J-A-P-P-E-L-E. J'appelle J-A-P-P-E-L-L-E. J'appelle J apostrophe A P E L L E ou j'appelle J apostrophe A P E L E. Question 16.
quel roi de France était surnommé le roi Soleil, Clovis, Charlemagne, Henri IV ou Louis XVI? Ou Louis XIV, pardon. Question 17. Parmi les hommes politiques suivants, lequel a pris le pouvoir à partir de 1959 à Cuba? Fidel Castro, Fulgencio Batista, Hugo Chavez ou Che Guevara? Question 18. De quel pays Bachar al-Assad est-il le président? La Turquie, l'Iran, le Pakistan ou la Syrie? Question 19. Dans quelle ville de la Côte d'Azur les stars déambulent-elles sur la croisette? Grasse, Cannes, Saint-Tropez, Monaco. En quelle année Adolf Hitler prend-il le pouvoir en Allemagne? 1929, 1931, 1933, 1937. Question 21. Quel est le plus grand pays du monde? Les États-Unis, la Chine, le Canada ou la Russie? Question 22. Quel est le plus grand département de France métropolitaine? La Gironde, la Guyane, la Dordogne ou Paris? Question 23. Qui déclare en 1944 « Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré » Georges Clemenceau, Philippe Leclerc, Léon Blum ou Charles de Gaulle? Question 24. Quelle est la capitale du Maroc? Casablanca, Tanger, Marrakech ou Rabat? Question 25. Quelle est la capitale de la Pologne? Cracovie, Varsovie, Wroclaw ou Lodz? Question 26. Qui a remporté le tournoi de Roland-Garros en 2018? Raphaël Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer ou Hugo Humbert? Question 27. Dans quelle ville se trouve le club de football de Chelsea? Londres, Milan, Madrid ou Manchester? Qui est Laura Flessel, l'actuel ministre des Sports, une quintuple médaillée olympique d'escrime, l'inventeur du célèbre fromage frais ou le lauréat du concours 2018? Question 29. Combien de titres de champion du monde le judoka Tony Riner détient-il? 6, 8, 10 ou 12? Question 27. En quelle année aura-t-on lieu les Jeux Olympiques d'été à Paris? 2019, 2020, 2024 ou 2028? Question 28. Quel club Zinedine Zidane a-t-il entraîné en 2018? Le PSG, l'Atlético Madrid, le Bayern de Munich ou le Real Madrid? Question 29. Parmi ces joueurs, lequel fait partie de l'équipe de France de handball? Luka Karabatic, Zlatan Ibrahimovic, Novak Djokovic ou Luka Modric? Question 30. Qui est Alice Renavant? La maman de Maeva Cook, une romancière célèbre, une chef étoilée ou une danseuse étoile? Question 31. Comment s'appelle le sélectionneur des Bleus lors de la Coupe du Monde 2018? Aimé Jacquet, Neymar da Silva Santos Junior, Zinedine Zidane ou Didier Deschamps? Question 32. Quelle est la distance d'un marathon? 42 km, 42,195 km, 42,550 km ou 43 km? Question 33. Dans quel film Dark Vador déclare-t-il à Luke Skywalker, je suis ton père? Star Trek, 2001 l'Odyssée de l'espace, Soleil vert ou Star Wars? Question 34. À ce jour, quel est l'album le plus vendu au monde? Mon pays c'est l'amour de Johnny Hallyday, Black is Black d'ACDC, Lemonade de Beyoncé ou Trailer de Michael Jackson? Question 35. Qui a composé l'Ode à la joie, l'hymne de l'Union européenne? Wagner, Beethoven, Haydn ou Mozart? Question 36. Qui est le réalisateur du Grand Bain? Luc Besson, Guillaume Canet, Gilles Lelouch ou Danny Boone? Question 37. Quelle superstar américaine de la chanson commence sa carrière dans le groupe Dynasty Shield? Beyoncé, Nicki Minaj, Rihanna ou Taylor Swift? Question 38. La mère de Lucy a 3 enfants.
Ses deux premières filles se nomment Marie et Anna. Comment s'appelle son troisième enfant? Question 39. Vous entrez dans une pièce, une allumette à la main. Il fait noir et les seuls producteurs de lumière sont une bougie, une cuisinière à gaz et une lampe à pétrole. Qu'allumez-vous en premier? Question 40. Et dernière question. Vous vous envolez pour le concours Miss Monde à Sanaya en Chine. Vous décollez heure locale. Vous décollez de l'aéroport Charles de Gaulle à 12h30 heure locale. Vous faites escale à Hong Kong pendant 4 heures avant de reprendre un vol pour Sanaya qui durera 4 heures. À quelle heure arriverez-vous à Sanaya en heure locale, sachant qu'il y a actuellement plus 7 heures de décalage horaire avec Paris, que la durée de vol entre Paris et Hong Kong est de 11h30 et que vous n'avez subi aucun retard durant votre trajet. Voilà donc pour les questions du quiz de culture générale posé cette année aux candidates pour l'élection de Miss France. Désolé si j'ai écorché des noms de villes de personnes qui sont dans ce quiz, je suis désolé. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao.